Donc aujourd'hui, je vais parler d'une autre un autre don. Another la gift. Fois passée, on a parlé de la loi. About the law. C'est une loi bien-aimée. It is a law. Dieu utilise les God lois. Uses the law. Des concepts. Concepts. Il nous donne ces concepts. He gives us concepts. Pas pour nous soutirer quelque chose, mais c'est pour nous montrer comment nous devons nous en sortir dans des besoins et comment nous pouvons recevoir. And how to receive. Dieu nous révèle des secrets. God reveals aujourd'hui, secrets. Je vais parler de l'autel des sacrifices. The hotel of sacrifices. Vous entendez you hear parler de bâtir l'autel des sacrifices. The hotel of sacrifices. C'est un autre genre de donner. It's another way of giving. J'ai entendu les gens parler de l'hôtel de sacrifice. I've heard the altar of sacrifices. Je suis parti étudier ça. I went to study that. Quand on parle de l'hôtel de sacrifice, c'est quoi? When I talk about parce que je le comprenais pas. The altar of sacrifices. J'aimerais que nous puissions bien le comprendre. Je I sais want que us to really beaucoup de gens ont it. Déjà entendu parler I know de ça. People have heard on of it. Bâti un hôtel. Make an altar. L'autel des sacrifices. An altar of sacrifices. Bâtir son autel à Dieu. Bâtir build un autel à Dieu, God c'est quoi? Is what? Bâtir un autel à Dieu d'abord. Build an altar of c'est God donner is une offrande importante. An important offering à Dieu. To God. Quelque chose something qui te coûte à Dieu. That costs you to d'abord, God. Je vais expliquer lentement c'est like quoi l'autel. Explain slowly the, what is an altar. L'autel c'est quoi? What's an altar? Parce que même dans des prières de combat, nous détruisons even les autels. In the war of prayer, we also on doit do comprendre that. Qu'est-ce qu'est l'autel finalement c'est quoi? We must understand what an altar is. L'autel est une construction élevée. Elevated. Où l'on brûle l'encens. Where we burn. Ou un animal. An animal, où l'on offre un sacrifice à une divinité, to donc sacrifice, à un esprit. So a spirit. Quand on parle d'une divinité, talk about divinity, ça dépend de Dieu en qui it tu crois. Depends on what you believe. Donc l'autel peut so the altar constituer can be en terre, constitute, par exemple une colline, it could be a cliff, sur un mont comme montagne, on une a grande mountain, pierre peut constituer a great un autel. Stone, a stone can it une sorte de table faite en plusieurs blocs peut a constituer table, un hôtel. A bunch of blocks can table be taillée an altar. En métal. Une construction comme ça. A ça, c'est l'hôtel. Like the stage. On a fait l'hôtel pour Dieu ici. We did an altar. Donc l'hôtel. Dans le mot hébreu, in Hebrew, que signifie hôtel? What does an altar mean? En hébreu, quand on parle in de Hebrew, l'hôtel, c'est le lieu des sacrifices. It's the location of okay sacrifice. Je suis en train de vous expliquer pour aller comprendre pourquoi on parle de bâtir un hôtel. Donc, l'hôtel, c'est le lieu des sacrifices. An area of sacrifice. L'hôtel est un lieu qui sert de point de contact. It's a point of contact. Vous voyez parfois d'autres personnes, on est en train de prêcher la parole. Il vient ici à l'hôtel. Il met son argent où il touche la main. Un point de contact avec la divinité ou l'esprit pour qui tu as bâti cet hôtel. For what you have built that altar. Donc l'hôtel est un lieu d'action de grâce. Is an area of thanksgiving. Le monde des ténèbres vole tout. The world of darkness steals sont everything. Des copières. Ils copient. They copy. Ils ont copié l'autel. They copy the altar. Donc, un lieu de sacrifice. So a way, an area of quand sacrifice. Quand on bâtit un hôtel sur when une, built par exemple, an altar, sur une surface de terre, on earth, on met cet espace-là sous le contrôle d'un esprit. Under the control of a spirit. Pour lequel on a bâti l'hôtel. Donc, for tu the bâtis, reason that the altar was built. Ça peut être vaudou, par exemple. Tu dis, j'ai bâti l'hôtel pour vaudou. I can tu say it was for voodoo. Une terre, une pierre, quelque chose comme ça. It can be a stone. Et puis tu le consacres à cet esprit-là. Donc,
La conséquence qui découle de cet autel of that altar, dépend de l'entité, veut dire de l'être, de l'idée ou de l'esprit à l'honneur de qui vous l'avez construit. For who you did it for. You built it for. For example, you built for the devil, the altar for the devil. Les conséquences qui vont the consequences être sur cet for that altar, to that altar viendront is going to come diable from ou the démon. Devil or the demon. Donc, maintenant, so now, l'autel, nous the allons altar, aller le comprendre aussi we're dans going la Bible. To understand it in the Bible. L'autel est considéré comme un document. A document. Quand tu le construis, build it. L'hôtel est considéré comme un document, like a document pour un bien. So for a good. Donc un bien, ça peut être un héritage. Can be inherited. Ça peut être une propriété. It can be a property. Donc le bien d'une personne a good for someone exige certains documents. Requires documents. Je peux donner l'exemple. For example, les titres fonciers. Les titres fonciers sont des documents pour des terrains. Tu es propriétaire. Donc, nous avons vu, nous allons voir que les anciens ont bâti les hôtels pour sceller leur bien. Allons voir Abraham. We will see this in Abraham. Abraham dans Genèse 12. In Genesis chapter 12. Commençons par 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Dieu dit, « Abraham, je donne ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel qui lui était... Donc, il bâtit un hôtel pour Dieu qui lui était apparu. Donc, quand il a bâti l'hôtel, il a pris possession de cet endroit. Est-ce que vous me comprenez? He took possession of that area. He said, that place is mine. That country that you gave me is mine. Voilà, j'aimerais que nous puissions that is why I want us to understand that when we ask you to build an altar, c'est quoi? What is it? Donc, quand Abraham a bâti cet hôtel, c'était pour Dieu. L'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. That created the heavens and earth. Et cet hôtel était sous le contrôle de Dieu. Under the control of God. Si il avait bâti par exemple pour le vaudou ou la sorcellerie, for voodoo and witches, ça devrait être vaudou ou sorcellerie qui contrôle cet hôtel. That would have controlled the altar. Alors, on nous dit, verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc Abraham invoque l'entité pour the Lord. Lequel il a bâti cet hôtel. C'est pour cela quand le monde des ténèbres the world of darkness build an altar ils invoquent ou ils invoquent le dieu ou les démons ou l'esprit pour qui il a bâti cet hôtel the devil for the person that they've built the altar. Quand nous allons dans chapitre 13 je vous montre seulement comment Abraham a pris possession. How Abraham took possession of the altar. Chapitre 13. In chapter 13 of Genesis. Chapitre 13, verset 18. Verse 18. Quand Lot est parti, puisqu'ils se sont séparés, quand ils because sont partis, they were separated when they went. Et Dieu dit, OK, Lot a pris la partie qu'il veut. One took the walk that they wanted, and then Abraham looks in northwest. Tout ce que tu vas voir, je te le donne. En possession. All the things that you see, it's yours. La Bible dit, Abraham regarde. The Bible says,
Abraham il looks. Regarde de gauche à droite, he il looks regarde left and north, right. Sud. He looks south, donc, north. Par la foi, with faith, Abraham devrait Abraham prendre cette vision, took croire that vision, que Dieu va lui donner. Believe that regarde God will maintenant give au verset 18. In verse 18. Non, oui, verset 18. In verse 18, la Bible nous dit, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes des marais qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Je peux vous montrer I can show you beaucoup d'exemples, a lot of examples, mais je voulais que nous puissions comprendre. Et sur cet autel, in that altar, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Quand il bâtit l'autel, when he built the altar, il met l'offrande. He has offerings. Est-ce que vous comprenez? Sur l'autel. On the altar. Puisque on ne peut pas bâtir, because c'est we can't build pour bâtir. Just to build it. On met l'offrande. We have the offering. On brûle l'offrande. We build the burn l'odeur the offering. L'odeur monte à Dieu. And it rises to Dieu God. Dieu agrée ton offrande. God takes donc your pour dire, Seigneur, je t'ai bâti l'autel, je t'adore, tu es mon Dieu, tu es l'Éternel devant you. Qui je me prosterne, je t'invoque. Voilà pourquoi, quand on dit par exemple, nous when détruisons say, les example, hôtels, we destroy le monde the altar, des ténèbres copie ça, the world of darkness copies hôtels, that, and they ils build vont prendre altars, ton nom par they exemple, will take your name. Ils prennent ton nom, they'll take your name. Il va écrire des choses sur they're toi. Going to say things about you. Il peut aller sur cet hôtel, you can go to that altar, mettre ton travail, put your work, ton mariage, your je marriage, parle de monde des ténèbres. In the world il of va darkness, sur cet hôtel, and they go to that altar, donc, il invoque son and Dieu they invoke là. Their God. En d'autres termes, tu in es consacré words, là par le monde des ténèbres. By the world voilà of pourquoi darkness. Nous faisons des prières. That is why we do prayers. Pour détruire les hôtels. Destroy the mais je voulais seulement que nous puissions comprendre. Est-ce que nous avons compris quand même? Have we understood? Maintenant, pour parler to talk de bâtir about l'hôtel, building the altar, c'est là où est venu is where it came, l'idée de bâtir the idea l'hôtel of building an altar to God. Sur l'autel, il y a une altar, offrande. On bâtit l'autel, on met l'offrande. We build an altar, donc there's spirituellement, so spiritually, on amène quelque chose bring something à Dieu. To God. On ne peut pas le faire d'une façon physique. Do it in a physical way, mais spirituellement, spiritually, on donne à Dieu quelque chose. Give on God dit, Seigneur, something. We say, Lord, j'ai bâti l'autel. I build an altar. Amen. Mais ça va être pour prendre possession but to take de quelque possession chose. Of something. Allons d'abord dans Philippiens. In Philippians, chapitre 4. Chapter 4. Verset 15. Verse 15. À 19. To 19. Philippiens 4, 15 à 19. Philippians chapter 4, verse 15. Philippiens 4, 15 à 19 nous dit ceci. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Ça, c'est Paul. That was Paul that said this. Vous fîtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà 16. À Thessalonique. Et à des reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Vous m'envoyâtes. Quel temps. Pas c'est simple. Très compliqué. Alors, verset 17, il dit, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte 19. Et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et regardez ici. And you can see.
Les Philippiens Philippians ont béni vraiment blessed Paul. Paul avait reçu Paul des offrandes des Philippiens. Offerings from the Philippians. Mais regarde ce que Paul dit. But look what Paul says. Au verset 18. In verse 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant ce que vous m'aviez envoyé. Il dit c'est un sacrifice. He says it was a sacrifice que Dieu accepte. That God accepted. Et qui lui est agréable. And that donc, was acceptable. Ça était pour les Philippiens. It was from the Philippians. Ils ont bâti un they hôtel. Built an altar. Ils ont donné. They gave. Donc les sacrifices. So sacrifices. Est une offrande. Was an offering. L'offrande qu'on offre à Dieu. An offering that we offer to God. Dieu agrée. Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. We know the story of Cain and Abel. Ils lui ont offert une offrande. They offered him an offering. En d'autres termes, ils ont bâti un hôtel pour Dieu. They made an altar for God. Dieu a agréé l'offrande de l'autre, il a refusé l'offrande de l'autre. He was pleased by one but not the other. Dieu accepte. God accepted l'offrande the qui est offering donnée avec that une was bonne gave with a derrière. Good attitude inside. Qui est donné avec joie. Given with joy. L'offrande the qu'on ne donne pas avec murmure. Was given with whispers. Donc nous comprenons ici. So we understand. Paul dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc la vraie prospérité c'est lorsque vous êtes prêt à distribuer. To distribute. Vous êtes prêt you à donner ce que vous avez. What you have. Est-ce qu'on a ça? Are we together? La vraie prospérité, the true prosperity c'est quand on is est when prêt you are ready ce que nous avons. To give what you have. Et là, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc il dit, tout ce qui vous manque, quand vous faites ces sacrifices que vous avez bâti en offrant l'offrande à Dieu, tout ce que vous manquez, l'autel va vous les donner. All things that you lack, the altar will give it to you. L'autel que vous avez bâti, the altar that you built will give it to you. Pas une fois pour toutes, with a faith, mais tout le temps. But all the time. Voilà pourquoi nous devons bondir sur les opportunités. Quand on nous demande de bâtir un hôtel, when we are asked to build an altar, pourquoi? Puisque la moisson est garantie. Because it is la récolte est garantie. Celui qui donne à Dieu, those who give to God, reçoit, will receive. Bien-aimé, quand on fait l'autel des sacrifices, on bâtit l'autel des sacrifices à Dieu, when we build the altar of the sacrifice, ce n'est pas God, dans les volumes. It's not from volume. Mais l'autel est dans ce que ça vous coûte. It's from the cost. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? C'est pas les volumes. It's not volume. Pourquoi? Puisque aujourd'hui moi je peux donner $100. I can give $100. Pour moi je peux donner $100. For me I can give $100. Je peux les donner. I can give it. Mais une autre personne, but another person, $100, $100, c'est vraiment ce qu'il peut ajouter pour compléter. It's what they can add to complete. Tout son moi. All their maintenant. L'importance de bâtir l'hôtel, the importance of building an altar, the offering, c'est dans ce que ça te coûte. What it costs you. Tu peux donner you can give $1,000. $1,000. Ça ne te fait rien. It doesn't do anything to you. Mais une autre personne, another person, $1,000. $1,000. C'est beaucoup. It's a lot. Alors, la Bible nous dit, the Bible says, tu donnes à Dieu, you give to God, comme tu es béni, like you are blessed. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Comme tu es béni, like you are blessed. Non, c'est ça le mystère, c'est ça le secret. That's the secret. Il ne faut pas que tu sois beaucoup béni. You must not be blessed a lot. Tu donnes peu, and then you give little.
Je me rappelle l'offrande de la veuve. The offerings of a widow. La Bible. In the Bible. On parle d'une veuve. We talk about a widow. Qui a donné that quelques pièces. A few change. Jésus était là. Jesus was Tout there. Tout le monde était en train de donner. A lot of people were giving. Jésus regardait les riches donner. Seen the les rich gens giving, qui avaient assez de moyens donner. That had a lot of means. They gave. Mais la veuve. But the widow. Est venue donner. She came and give. Quelques pièces. Some change. Jésus a regardé. Jesus observed. Il a dit à l'église. He said to the church. Il dit, vous savez, cette veuve. You know that widow. A donné plus que vous tous. Has gave more than all of you. Ah. Comment elle a donné plus que vous tous? How is that she gave more than all of us? Elle a mis seulement $2. She only put $2. Jésus dit. Jesus said. Puisque elle a donné she gave son nécessaire. Her necessity. Elle a donné ce qu'il lui a, ce qu'il est, le pèse. She gave what she needed. Il dit, vous tous vous avez donné. You two, all of you guys gave. C'est le surplus. Vous avez beaucoup. You have a lot. Vous avez donné le surplus. You have gave just quelqu'un qui a $10,000. Someone that has $10,000. Et donné $100, est-ce que c'est beaucoup? And gave $100, is that a lot? C'est pas beaucoup. It's not a lot. Donc, on doit en tant qu'église we must as a church s'engager à bâtir des hôtels in building an altar. Il n'y a rien there is nothing du mal à tenter à faire wrong des choses. To do things. Vous savez les gens aujourd'hui dans le people monde today prennent de l'argent pour aller tuer les to autres go kill people. Ils font des discours de haine. They have speeches of hatred. Aller tuer, acheter des armes, tuer. Buying guns and killing people. Est-ce que vous voyez l'église tuer les gens? Do you see the church killing people? Mais pourquoi les gens ne viennent pas bâtir? But why not dans des choses build in things of God? On peut tuer les gens, you can kill acheter people des armes et des armes. Buy guns and bunch of guns. Donc, peuple de Dieu, quand nous donnons, when we give, nous bâtissons des hôtels, we build an altar, la moisson est garantie. Donc la the récolte, harvest is la guaranteed. Moisson est dans le the sacrifice. Harvest is in the sacrifice. La récolte est dans l'offrande. The harvest is in the offering. Amen. Et donne-moi un bon amen. Say a good amen. Ça vous dérange? Does it bother you? Que je parle de donner? That I talk about giving? Alors dites avec moi. Nous allons continuer so say, à offrir à we're Dieu. We're going to continue to offer to God. Say it. Repeat encore that. Et encore. Again and again. Dites-le avec conviction. Say it with conviction. Nous allons continuer à offrir we're à Dieu. We're going to continue to offer to God. Encore et encore. Again and again. Amen. Disons amen. Let's say amen. Amen veut dire cela soit amen ainsi. Means it will happen. Cela veut dire que les récoltes est garantie quand on sème. Is guaranteed when, et when tout we sow. Dépend it all depends comment Dieu on t'a béni. How God blesses you. Ah oui. Ça vaut la peine de se it's précipiter. It's worth it. Dieu a du respect pour l'autel God has respect et des sacrifices. To the altar of sacrifice. Nous voulons que l'Église sorte de la pauvreté. That the church nous voulons gets que out le peuple poverty de Dieu sorte de la pauvreté. You want that the vous savez church ça gets out of poverty. Dieu doit enrichir God l'Église. God has to enrich the church. Pour que les gens entendent so that people l'Évangile. Can hear mais Dieu the nous gospel donne les façons dont but nous God devons faire pour être bénis, pour recevoir so de can Dieu. Be blessed and receive. Vous savez que les voix, you la voix des pauvres the voice of la poor voix people. D'un pauvre n'est pas entendue. The voice of a poor person is not heard. Par exemple, là où je viens, moi je viens du Congo. For example, I come from Congo. Vous avez un grand frère ou une grande sœur ou un oncle big sister, qui est riche, big brother, qui est, an uncle, qui a beaucoup de biens. Does a lot of goods. En tout cas, on dirait il dirige tout le monde. It's as if they lead everybody.
Quand il vient, il dit, when they come, là où il y a tout le monde, tout le monde écoute. Everybody is listening, pauvre, but you are a poor person. Dans une réunion de famille comme you don't ça, have tu any goods. Un grand mot à dire. You don't have any say because vous you're poor. Un peu quelque chose dans ce sens-là? Do you know what I mean? Vous savez, la voix des pauvres n'est pas a voice entendue. Of a poor person is not heard. Voilà pourquoi nous devons sortir de la that pauvreté. Is why we must remove ourselves from poverty. Amen. Say amen. On dirait que vous ne recevez pas. It's as if you don't receive. Je crois que c'est tellement profond que I believe vous that êtes it's so calme. Deep that you guys are so quiet. Vous recevez dans le calme. Donc, nous voulons que l'Église prospère. We want the church prosper. Pour cela, nous devons entrer dans des programmes, des alliances de prospérité avec Dieu. And prosperity with God. Je disais que Dieu ne cherche pas des cadeaux. Does not look for gifts from Dieu people. Ne pas tes He's not looking for gifts from you. Non, mais il cherche comment nous bénir. He searched how to il nous bless montre us. Les moyens. He shows us ways. Il cherche à satisfaire nos besoins. He looks to satisfy our needs. Qu'il faut faire to show us what we must do pour rencontrer ses besoins. To meet those needs. Dieu veut que nous soyons fidèles avec peu. Commence là où tu es. Start where you are. Montre ce que tu peux faire Show avec le peu. What you can do with so little que tu as. That you have. Et là tu peux montrer And ce que tu peux faire demain. What you can do tomorrow. La Bible dit ceci dans Luc 16, 10. In Luke chapter Celui 16, qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans le grand. Commence quand tu n'as pas beaucoup. Start when you don't have, when you have little. Il y a parfois les gens qui attendent There's people quand that j'aurai. Wait, non, oh, non. When I have this? No. Commence avec Start peu. Start with what you have now. Puisque quand tu es fidèle dans le peu. When you're faithful with tu pourras little. Donner beaucoup. You can give a lot. Nous allons lire We're going to read un texte et puis nous terminons aujourd'hui. A message. Nous allons continuer la semaine prochaine. We're going to continue this next week. Qu'est-ce que l'autel des sacrifices What does the altar of sacrifice apporte dans notre vie? Brings in our life? Qu'est-ce que l'autel des What sacrifices does the altar of sacrifice apporte dans notre vie? Bring into our life? L'autel des sacrifices the altar of sacrifice amène Dieu brings de prendre l'engagement de nous bénir. The engagement to bless us. Allons dans Genèse 22. In Genesis chapter 22. 15, 17. Verse 15 to 17. Genèse 22, 15, 17. Genesis chapter 22. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. 16. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Peuple de Dieu, Dieu voit ce que tu es capable de faire. Dieu voit ce que tu es capable de faire. Et il prend l'engagement. And he takes commitment. Ici, vous Here, connaissez l'histoire d'Abraham. You know the story of Abraham. Abraham a demandé un enfant à Dieu. A child Et to Dieu God, lui a donné and Isaac. God gives him a child, Isaac. Un jour, Dieu lui dit, and then one day, God tells Va him, offrir Isaac go offer me Isaac un sacrifice. As a sacrifice. Dieu dit, bâtir God un says, hôtel, build an altar, mets Isaac dessus, put Isaac on it, tue Isaac, and kill Isaac. Offre-moi Isaac. Offer me Isaac.
Abraham aimait tellement Dieu. Abraham loved God Abraham so much. Quand on parle de bâtir l'autel, building an altar, ce n'est pas n'importe quoi qu'on donne. It's not, we don't do Abraham whatever with it. Abraham amène Isaac. Abraham brings il Isaac. Il avait bâti l'autel. He built the altar. Je vous ai parlé. We've talked about it. Il prend Isaac, he il takes met. Isaac. Il voulait déjà le tuer. He was about to kill his son. Là, c'est là où l'ange. That's where an angel lui parle. Quand spoke on parle de l'ange him, we're talking ici, about an angel here. C'est Dieu. It's God. Il se manifeste au that travers d'un ange. Through an angel. Ange lui dit, Abraham, the angel arrête. Says, Abraham, stop. Puisque tu as accepté de m'offrir. Because you accepted to offer me. Un tel hôtel. An altar. Il dit à Abraham, he tells Abraham, je vais te bénir. I will bless you. Je vais multiplier ta postérité. I will multiply your prosperity, your comme les étoiles du ciel. Like the stars in the heavens. Et comme le sable sur le bord like de la mer. Sand on et ta postérité. Your prosperity. Possédera les portes de ses ennemis. You possess the gate of their enemies. Bien-aimé, bâtir l'autel. Beloved, built an altar. C'est une opportunité it's pour an changer to change ton histoire. Your history. Ce n'est pas un fardeau. It's not a burden. Quand on te demande when de bâtir un to hôtel, build an altar, un geste quelconque, that action, c'est une façon de it's changer a way ton of histoire. Changing your story. Regarde à cause de l'hôtel. Dieu bénit Abraham. God blesses non seulement Abraham il bénit when he Abraham, builds an altar. Not il only bénit does encore he build, qui? Who does he also bless? Même ses enfants. His descendants. Il y a des gestes que les gens posent. There's things that actions that people do. Même leurs enfants. Even their children. Bénéficient cela. Will benefit from it. Abraham a pris les possessions. Abraham took that possession. Aujourd'hui. Today. La terre d'Israël. The earth of Israel. Est restée pour les Juifs. Is stayed for the prochainement, Jews. Nous allons continuer, nous allons montrer next time we will talk about this and show cette how, terre talk about how that malgré les conjonctures politiques, despite les situations the politiques, the situations la the politics, terre d'Israël the land restera toujours of Israel pour les descendants will always be for the descendants of Abraham because he built il an altar. La possession. He took possession. Il avait scellé. He was a property of the land. May God bless you.